Fallait bien que ce jour arrive à un moment donné. J'ai un mélange de stress et d'excitation en même temps, puisque c'est aujourd'hui, maintenant, qu'on va commencer une toute nouvelle aventure. Et ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'avais envie de me lancer dans ce monument de From Software. J'ai nommé Bloodborne. Vous savez, j'ai une top liste un peu des jeux que je n'ai jamais joué. Et il y en a quand même pas mal, des jeux assez mythiques que je n'ai pas pu faire par le passé. Et vous savez que sur la chaîne, j'aime bien faire ces sortes de sagas où on retourne sur un jeu qui est déjà sorti. Et le mieux, c'est un jeu que je n'ai jamais fait, justement. Et tout en haut de cette liste, je dois vous avouer que il y a Bloodborne. Ce monument des Souls-like, ce monument de From Software. Et il y a quelques années, j'étais pas du tout fan des Souls-like. À vrai dire, je connaissais même pas le genre. Et c'est seulement lors de la sortie d'Elden Ring, un petit peu en même temps que ma chaîne finalement, que je me suis lancé dans ce genre de jeu et que j'ai absolument kiffé. Et donc, en faisant Elden Ring, j'ai connu forcément From Software, les développeurs qui ont développé les Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro. Et à partir de là, voilà. J'ai vraiment commencé à kiffer le genre, mais pour autant, j'ai fait très peu de Souls-like. Si on regarde sur la chaîne, les Souls-like que j'ai fait, on va avoir Elden Ring tout en haut, on va avoir Steel Rising, petit Souls-like, j'ai un petit peu testé Thymesia sur la chaîne, on a fait Wulong Fallen Dynasty, je sais même pas si on peut appeler ça un Souls-like, mais il était très très dur. J'ai fait un petit test sur Nioh, et récemment, Lies of P, qui était pour moi incroyable et l'un des meilleurs auxquels j'ai joué. Après, c'est facile puisque c'est vrai que j'ai pas joué aux Dark Souls et j'ai pas joué Demon's Souls, j'ai pas joué Sekiro. Mais les gars, s'il y en a bien un From Software que vous m'avez demandé et redemandé depuis des lustres, c'est bien Bloodborne. Et j'en ai tellement entendu du bien de ce jeu. C'est tellement finalement presque le meilleur From Software que si on demande à plein de gens. C'est souvent Bloodborne quand même qui revient. Si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi Bloodborne plutôt qu'un autre jeu, j'ai fait un sondage sur la zone communauté de la chaîne et vous avez été plus de 500 votants à l'heure actuelle. Je vous ai demandé si vous préférez un let's play complet sur Lords of the Fallen ou Bloodborne. Et vous avez été majoritairement nombreux à me dire Bloodborne, ce que je peux comprendre. Ce qui n'empêche pas que Lords of the Fallen, on retournera probablement dessus à un moment donné. Voilà, parce que j'ai quand même beaucoup aimé le premier épisode qu'on a fait. Et vous êtes aussi nombreux à m'avoir proposé d'autres jeux. Et j'ai vraiment lu tout le monde et vous avez eu des supers idées. Donc ne vous inquiétez pas, si on ne fait pas aujourd'hui, là, dans l'instant, le jeu que vous avez proposé, on le fera probablement plus tard parce que j'ai vu de belles idées comme par exemple Tomb Raider ou encore se refaire Alan Wake 1. Donc voilà, vous inquiétez pas, là on part sur Bloodborne, mais on a le temps. Vous inquiétez pas, on en aura d'autres. Donc franchement, c'est aujourd'hui les amis qu'on va se lancer dans cette aventure folle, sombre, difficile. Je pense, j'ai vraiment très peur de la difficulté pour être honnête avec vous. Et je sais que plein d'entre vous ont déjà fait le jeu et je compte vraiment sur vous pour m'aider dans les commentaires, me dire, voilà, me donner des conseils, me dire attention, t'as loupé quelque chose d'important à cet endroit-là. Alors, pas forcément spoilant, mais voilà, n'hésitez pas à me guider. Franchement, ce sera avec plaisir. Comme d'habitude, je lis absolument tous les commentaires. Et surtout sur un jeu comme ça qui est sorti il y a longtemps, il y a plein d'entre vous qui connaissent, etc. Donc n'hésitez pas, je suis un vrai newbie pour le coup. Mais j'ai vraiment hâte de vivre une super aventure et quand je vois en tout cas vos messages à propos de ce jeu, j'ai hâte de ressentir la même chose. Donc oui, on va le découvrir pour la première fois aujourd'hui, Bloodborne, sur PlayStation 5 et on va se faire l'aventure jusqu'à la fin. Alors, ne vous attendez pas forcément à des épisodes tous les jours puisque ça va vraiment dépendre du planning, ça va vraiment dépendre de ma façon de progresser aussi. C'est le genre de jeu où je vais avoir des rushs de plusieurs heures et je vais faire des cuts, etc. pour pas que ce soit ennuyant, pour que ce soit agréable à regarder. Vous avez eu l'habitude sur Lies of P, donc c'est un jeu qui demande beaucoup de travail derrière que vous voyez pas forcément. Donc ne vous attendez pas, attention, à des épisodes tous les jours. Mais voilà, je comblerai les trous avec d'autres jeux, vous inquiétez pas. Et puis il y a d'autres sorties aussi qui vont arriver.
Donc s'il vous plaît, ne me tuez pas s'il n'y a pas d'épisode de Bloodborne qui sort au quotidien. On va se faire l'aventure, on va avancer, mais vraiment à mon rythme. Voilà, je compte sur vous pour être présent, pour envoyer de la force sur les épisodes en commençant par celui-ci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit like, le petit commentaire, le partage si vous pouvez sur vos réseaux. Ça aide énormément la chaîne. On est en route vers les 20 000 abonnés. C'est la fin de l'année et je trouve que c'est un moment parfait pour plonger dans cette aventure sombre de Bloodborne. Alors on met le casque, on s'installe confortablement et c'est parti pour le premier épisode de Bloodborne. Ah oui, du pâle sang. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer ? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Avant tout, vous devez rédiger un contrat. Un contrat ? Ah, notre contrat, c'est bien fait. Notre contrat, en fait, c'est notre personnage. Ok. Saisir le nom. Ok, les gars. Viker. Oh yeah. Sexe. Je suis un homme. Âge. Plutôt âge mûr, quand même. Parce que, attends, si on met âgé, c'est quoi? Ah ouais, on a des petites rides, ok. Zoom. Attends, je peux zoomer? Oui. Je peux zoomer. Okay. Origine, timide. Oh, d'accord, là c'est la classe. Donc on a timide, éducation simple. Tous vos attributs sont moyens, d'accord. Niveau, écho du sang. Vitalité, endurance, force, compétence. Teinte sanglance. Ok. C'est quoi? Vétéran. Compétence, c'est quoi? C'est quoi compétence? Écho du sang, ça doit être la... C'est quoi écho du sang? Seul survivant d'un mot perdu, forte essence de vie et vigueur, enfance perturbée. Une jeunesse malheureuse vous a doté d'une grande résistance. Oh mon dieu, dur. Ok, lui il a beaucoup d'endurance, compétence 13, ok. Passé terriblement violent, difficile, mais donne plus de force. Mon dieu, professionnel. Expert né qui fera un excellent détective ou professeur. Ok, pas mal d'endurance, beaucoup de compétences aussi. Vétéran de guerre, ancien soldat ayant acquis... À la guerre, force et compétences, d'accord. Noble rejeton, enfant d'une famille respectable qui a foi en sa lignée. De terribles épreuves vous ont permis d'être plus sûr de vous. Cruel destin. Gâchis. Vous n'avez pas le moindre talent. Oh mon dieu. Oh, c'est dur. Vous n'auriez jamais dû voir le jour. Oh non, le pauvre. C'est un gâchis, le mec. Oh, c'est affreux. Bah, si je regarde un peu comme ça, j'ai envie de partir sur vétéran de guerre. C'est genre le plus... Il est un peu moyen en tout, tu vois. Et il est quand même vétéran de guerre. Donc normalement, le gars, c'est se battre, tu vois. Endurance 10, compétence 13. C'est pas mal. Bon, pas beaucoup d'écho du sang, mais comme je sais pas ce que c'est peut-être la vie, je sais pas trop. Allez, on va partir sur vétéran de guerre. Apparence. Oh. Quelle drôle de tête. Sexe, non. On va rester. Donc, âge mûr, voix. On va prendre mature. Carrure, standard, mince, très mince, charpenté en haut, charpenté en bas. Oh putain, merde, une bouteille d'origine. Grosse tête, d'accord. Ah, tu peux avoir une grosse tête. Ok, très bien. On a qu'à prendre... On a qu'à prendre mince en vrai, non? Non, ouais, allez, mince. Ou standard. Oh oui, c'est bon. Ajustement. La tête. Grande tête, poitrine. Ok. Ouais, bah, de toute façon. Bras. Ouais, bon, on va prendre un truc normal, quoi. Couleur de la peau. Putain, il est cadavérique, là. Il est d'une blancheur. C'est fou. Regardez ces visages prédéfinis. Ils ont des gueules. Ouais, c'est quoi ça? On dirait un croque-mort. Scrooge. Bon, j'ai fait pas mal de modifications.
On part de loin quand même, hein. Donc je suis plutôt content du résultat, voilà, il ressemble à quelque chose. Cheveux, alors cheveux, qu'est-ce qu'on a comme cheveux? Ok, magnifique, je sublime, ok, pas mal, petite coupe et tout, beau gosse. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, cheveux longs, c'est stylé, en vrai comme ça, j'aime bien. Là on dirait Eren Jaeger. Ok, tac, tac. D'accord, donc il y a des cheveux quand même assez cool. Je pense qu'on va partir sur des cheveux longs, un petit peu bouclés comme ça, tu vois. Voilà, voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Hey, il est beau gosse notre perso en vrai. Couleur des cheveux. Est-ce qu'on va laisser les noirs? J'aime bien. Sourcils. Ah ouais. Oula, je crois que je vais pas toucher aux sourcils parce que je... ça va mal finir. Ouais, on va pas toucher. Barbe. Bah oui, bien sûr. Petite beubard. Il y a quoi comme barbe? On a ça. Oh, grosse barbe. Très bien. Ok. Un peu style mormon. Pourquoi pas. Belle moustache. en vrai, celle-ci est cool. En vrai, celle-ci est cool, je trouve. Ouais. Je vais prendre celle-là. Non, pardon. Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Je parlais de celle-ci, bien sûr. Couleur de la barbe. Laissons noir. Couleur des cils. T'as carrément... tu peux carrément faire les cils, quoi. Oh. Il est trop beau gosse notre perso là. Et dire qu'il va affronter la malédiction. La dureté de la vie. T'es pas prêt pour ça mon gars. ok. Iris. Taille de l'iris. Ok, comme ça. Oh, il est stylé notre personnage les gars. Je pensais pas d'où on partait. Je pensais pas qu'on allait réussir à faire ça. Couleur des pupilles. Couleur de pupille droite. Couleur de pupille gauche. Waouh. Et là, il a les yeux de quelle couleur en fait? Ouais, un peu vert façon, là, comme ça. Voilà, on va rajouter un peu de vert. Histoire, voilà, qui me ressemble un peu, quoi. Pas du tout. Marque et lunettes, tatouage. Oh. Ah ouais, style, une petite cicatrice, là. Ça, c'est propre, ça. Ok, couleur de la marque. Ah, elle peut être verte, ok. On la voit un petit peu, quoi. Voilà. Lunettes. Bonjour, je suis professeur à l'université d'Harvard. Ok. Oh mon dieu. D'accord. Oh. Waouh. D'accord. C'est quoi ça? C'est trop marrant. Les lunettes, elles sont rigolotes, hein. En vrai. Mais je vais pas les prendre. Et ben, je crois que... je sais pas, je vais enregistrer dans les favoris. Voilà, on sait jamais. Et je crois qu'on est pas mal, hein. Détail du visage, on a tout fait. Voilà. Et il est stylé notre personnage en vrai, non? Regardez-le, ce beau gosse. Regardez ce beau gosse, il est incroyable. Il est prêt. Allez. Oh, bah voilà. Voilà notre vétéran de guerre, les amis. On est prêt. C'est parti. Le contrat est signé. Parfait. Tout est signé et scellé. À présent, commençons la transfusion. Non. Ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Pourquoi tu rigoles? Oula. Au secours. Oh mon dieu! Mais c'est quoi ça? Oh oh! Oh waouh!
D'accord, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous vous êtes trouvé un chasseur. La clinique de Yosefka. Il vient de se passer quoi là? Donc attends, on est sur une table d'opération. On vient de se faire apparemment transfuser du sang. On a signé un contrat. Et là, on a vu un espèce de loup-garou dégueulasse sortir d'une mare de sang. Et le loup-garou s'est enflammé tout seul. Et ensuite, il y a eu des espèces de fantômes. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Phrase griffonnée. Rechercher le pal-sang pour transcender la... pour transcender la chasse. Donc nous sommes un chasseur, visiblement. Ok. Ne s'ouvre pas de ce côté. Soyez prudent avec chargé en avant ou allez voir la poupée. Ah oui, il y a des messages d'autres joueurs en fait. Soyez prudent. Genre déjà là, je dois déjà être prudent. Oh la petite femme, finalement vous devez accepter la métamorphose. Mais c'est un manoir hanté en fait là. Oh. Ah j'imagine que les traces rouges c'est des gens qui sont morts. D'accord. Donc je tape comme ça, parce que là il y a quelque chose là devant. Hé hey. Je sais même pas comment. Hé hey. Je sais même pas comment. Oh. Aou. Qu'est-ce qui se passe? Fiole de sang. Ah super. Wow. Je lui fais aucun dégât. Aouh. Oh mon dieu. Oh. Et notre mort était normale? On est où là hein? Je crois que notre mort était normale en fait. D'où le peu de dégâts que je faisais à ce loup. Le rêve du chasseur. Oh mon dieu. Ah c'est les mêmes petits fantômes qui nous attrapent les... Waouh. Ok. Ah. Il y a quelqu'un. C'est toi Sophia? Une poupée abandonnée. Ah ouais ça pourrait être Sophia hein. C'est quoi ça? Messager de Vavasque. Échanger des échos du sang auprès des messagers pour acheter 22. Oh, les échos du sang. Oh, les échos du sang, ce sont les runes, quoi. L'ergot, ben voilà, vous avez compris. Ok, fiole de sang. D'accord. Oh, couvre-chef de chasseur Yarnman. Tenue de chasseur de Yarnman. Yarnam. Faut que j'arrive à le dire. D'accord. Yarnam, je crois que c'est le lieu où on est. Hein. Enfin, c'est la ville, quoi. Fiole de sang, donc ça c'est pour... c'est les potions, galets, ok. Putain mais ça fait peur cet endroit là. Pierre tombale de Yarnam. Éveillez-vous dans une zone de Yarnam sélectionnée. Oh. Infirmerie du rez-de-chaussée. Ah, c'est là où on était? Ok, donc là c'est pour se téléporter. Acceptez le cadeau des messagers. Les messagers vous offrent une arme trompeuse. Choisissez-en une. Les armes trompeuses se manient de la main droite et sont utilisées pour la chasse aux monstres. Ah bah oui, on n'avait pas d'armes aussi. Bah forcément. Alors on a le coup précis. On a la hache de chasseur. On a la canne fouet. Je vais partir je pense sur le coup précis. Ok. On a le coup précis les gars. Je crois que je viens d'utiliser une potion sans m'en rendre compte.
Et là aussi. Attendez, je connais pas les touches en fait. C'est l'enfer. Effet personnel, d'accord. Ah, d'accord, mon dieu. Arme. Ok, c'est comme ça qu'on équipe, très bien. J'ai des habits comme ça, capucheron noir. Tenue exotique. Objet en accès rapide, marque du chasseur. Supprimer les échos du sang et se réveiller, d'accord. Inventaire. Ok. Ok, ok. Acceptez le cadeau des messagers. Le messager vous offre une arme à feu. Ah bah dis donc, on est gâtés. Choisissez-en une, les armes à feu se manient de la main gauche et sont utilisées pour la chasse aux monstres. Oh. Pistolet de chasseur. Le tromblon. Attaque de sang. On a attaque physique, attaque de sang, attaque ésotérique, attaque de feu, attaque de foot. D'accord. Pistolet de chasseur, hein, je pense. Hein. D'accord. Mais c'est, vous êtes vraiment gentil, hein. Voir le spectre. Ah ouais, tu vois les autres joueurs en fait, c'est fou ça. Comme dans Elden Ring. Accepter le cadeau des messages. Donc là, attends. On a du coup. Coup précis. Pistolet de chasseur. Ah d'accord, là c'est main droite 1, main droite 2, main gauche 1, main gauche 2. Main droite, on a tout ce qui est épée et tout. Et main gauche, on a le pistolet. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Accepter le cadeau des messagers. Le carnet donné par les messagers. Laisser des messages grâce à ses fidèles serviteurs afin de les transmettre aux chasseurs des autres mondes. D'accord. Un carnet. Très bien. Vous êtes au bon endroit. Ah bah c'est rassurant. Parce que j'étais pas sûr en fait. Vous êtes au bon endroit. Ne s'ouvre pas. D'accord. La porte ne s'ouvre pas par contre. Hein. Là c'est équipé et là c'est équipé. Ok, mais je crois que je peux pas avoir d'armes dans cet endroit. Et de l'autre côté. En fait ici c'est un peu le QG quoi, si je comprends bien. Tu peux acheter des trucs. Tu peux acheter des fioles de sang, ça coûte 180. Écho de sang, d'accord. Cocktail Molotov. Ok, bon. Ce qui est bien, c'est qu'on est arrivé là et du coup, on a des armes. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Les notes apportées par les messagers recèlent le savoir et la sagesse des chasseurs des autres mondes. Très bien. Ne s'ouvre pas. Ok. Ah, on peut courir comme ça. Ok, donc là, on saute. Ok, on peut sauter, on peut esquiver. Comment on bloque ? Waouh. C'est quoi cette attaque? Attaque lourde je pense. Toi tu parles ou pas? Une poupée abandonnée, elle parle pas, elle est abandonnée les gars. Ok, donc ça c'est la pierre tombale pour revenir. On va y retourner, on va mettre une fessée à ce loup les gars. Parce que c'est pas gentil. Allez, on est de retour dans la clique. Mais c'est quoi cette position là? Arrête. Par contre attends, j'ai pas équipé l'arme là vraiment. Ah c'est bon. Ok c'est bon, il faut appuyer sur les flèches. Ok d'accord. Allez c'est bon. Oh, je sais même pas ce que j'ai fait. Ah d'accord. Wouh. Wow. Ah c'est pas pareil là. Ah tu fais moins le malin. Écho du sang récupéré. Ok. Fouiller le cadavre, fiole de sang, merci. Je vous jure, je sais pas comment on utilise les potions en fait. J'en ai utilisé une tout à l'heure, mais je suis pas certain. Et j'ai pas envie de. Waouh. Soyez soigneux avec Yarnam. Ok. Waouh. Ah ouais. Ah y'a un délire hein. Y'a une vraie ambiance en tout cas. Je suis tout seul? Pour l'instant oui. Balle de vif argent. Donc j'imagine que ça ce sont les munitions de notre flingue. Fermé par un mécanisme. D'accord. Probablement un raccourci.
Oh lolo, cette ambiance. Centre de Yharnam. Nous y sommes les amis, nous sommes arrivés au centre de Yharnam. Ok, fiole de sang. Là on a un cercueil. C'est très morbide hein, comme ambiance hein. C'est très gothique. Ah, oula, oula. Ok, ça va, ça va. Je suis pas fermé par un mécanisme. Je suis pas encore du tout habitué aux touches et tout. J'ai les réflexes de Lies of Pi dans la tête. Fiole de sang. Par contre, on récupère beaucoup de potions. On en a déjà 10. Activer le mécanisme. Oh, on a fait tomber une échelle. Ok, cool. Ah, bonjour monsieur. Je sais même pas si je peux. Est-ce que je peux bloquer? Et là, tu vois, je fais un truc comme ça là. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Grimper à l'échelle. C'était quoi ce cri? C'était quoi ce cri? Oh là là, cette ville est folle. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a quelqu'un? Oh, vous devez être un chasseur. Et oui. Pas de la région, je crois. Non, non, non. Je suis Gilbert, un étranger, comme vous. Salut Gilbert. J'ai passé de bons moments. Yharnam a une façon particulière d'accueillir les visiteurs. Je crois pas être capable de me lever. Même si je le voulais. Mais je veux agir. Si on peut encore faire quelque chose. Cette ville est maudite. Quelles que soient vos raisons. Vous devriez partir d'ici le plus vite possible. Quoi que vous cherchiez ici, vous en tirez plus de mal que de bien. Donc on est bien un chasseur. Hein, et visiblement cette ville c'est l'enfer. Du pâle sang, vous dites. J'ai jamais entendu parler, mais si c'est du sang que vous voulez, vous devriez aller à l'église du remède. L'église détient la clé de la thérapie du sang et des différentes sortes de sang. De l'autre côté de la vallée, à l'est de Yharnam, se trouve la ville de l'église du remède, qu'on appelle le faubourg de la cathédrale. Et au cœur du faubourg de la cathédrale se trouve la grande cathédrale. C'est là-bas qu'on puise le sang particulier de l'église du remède, il paraît. Les Yharnamiens ne parlent pas beaucoup avec les étrangers. En temps normal, ils ne vous laisseraient pas approcher de l'église, mais la chasse est ouverte cette nuit. C'est peut-être l'occasion, ou jamais. De l'autre côté de la vallée, à l'est, il renferme dans ses ruelles. J'ai jamais entendu. C'est votre meilleure piste en ce qui concerne les types de sang particuliers. Ok. Nous, on recherche du pâle sang, un type de sang vraiment particulier. De l'autre côté. Ok. J'ai jamais entendu parler de pâle sang. Bon, lui, il connaît pas le pâle sang, par contre. Donc, ah, mais il a l'air bien malade. Hein. Allumez la lampe. Ok. Cette lampe vous ramène désormais dans le rêve du chasseur. Après votre mort, vous éveillerez auprès de... Ah, c'est l'équivalent des feux de camp, les amis. Je suis désolé pour les rapprochements que je fais avec d'autres jeux, mais il faut que je trouve des... Tu vois, des correspondances. Ok, ça s'ouvre pas. Oh, monsieur, vous êtes vraiment malade, hein. Vous avez besoin d'aide ou c'est comment? Vous arrêtez pas de cracher vos poumons depuis tout à l'heure. Oh, l'homme, ok. Oh là là, par contre, artistiquement, c'est une dinguerie. Hein. Waouh! Eh oh! Mon dieu! Ouh la vache, il a pris un coup. Il a mangé. Hein. Je suis pas sûr de sauter là.
Vous voyez ce que je veux dire. On va peut-être descendre par là tranquillement. Voilà, bonjour monsieur. Oh, ah, il a un bouclier. Il a plus de bouclier. Ok. Balle vive. Oula. Vous êtes bizarre dans cette ville en fait. Il y a beaucoup de monde là en fait, par contre. C'est normal. Pourquoi vous êtes aussi nombreux? Vous êtes vraiment nombreux. Je reviens. Je sais pas, on va aller par là. C'est quoi ça? Fermé par un mécanisme. Ah! Il y en a un là. Mécanisme. Voilà. Oula! Je crois qu'il y a un. Voilà, je crois. Est-ce qu'on a ouvert un raccourci? Ah oui, d'accord, c'était là où on était monté à l'échelle. Ok, d'accord. C'est cool! Très bien ça! D'accord. Oh, lui il est très très gros. Hein. Lui il est vraiment gros. Waouh! Est-ce que je peux. Waouh! Ok, c'est bon. J'ai trouvé là le soin. Oh! Non! Bon bah je me suis réveillé ici comme prévu. Il nous a bien giflé le gros monsieur. Je pense qu'il est un petit peu fort pour nous. Je sais pas ce que vous en pensez. ah oui, il y a lui. Alors lui normalement on le... Bam, on le one shot. Par contre je ne sais... On le two shot en tout cas. Je ne sais pas... Je sais pas comment on bloque en fait. Est-ce qu'on même on peut bloquer? Honnêtement je ne sais pas. Attends. Ah, en fait, quand j'appuie, mon arme elle change en fait. Là, elle est plutôt courte portée. Et là, on dirait elle est longue portée. Ah, stylé. Ok. Ok, ok. Bah, je sais pas. Je la mets dans quel sens du coup. Bonjour, messieurs. Oh, ça va, ils sont pas trop. Waouh. Ils sont pas trop résistants. Ils sont nombreux, mais ils sont pas très résistants. Ah, il me brûle. Le mec me crame. D'accord. Ok, ça va. D'ailleurs, j'ai même pas récupéré mes échos sur le gars là. Non mais lui, il est trop fort en fait. Le problème c'est ça, c'est que il va nous tuer. Ah d'accord, en fait on est arrivé ici. Ok. Continue. Faut que j'appuie sur OK pour enlever les messages des objets. Qu'est-ce qui se passe ici là? Frappé. Il y a plein de gens qui crient. Vous êtes cet étranger? Bien, je suis navré, mais je ne veux rien avoir à faire avec vous. Mettez les voiles, ok? Oh bah d'accord, c'est pas très gentil ça. Vous êtes cet étranger? Bien, je suis navré, mais je ne veux rien avoir à faire avec vous. Oh les baillons, merci l'accueil, hein. Franchement c'est pas sympa. Cocktail Molotov. Molotov. C'est. Voilà, voilà. Ça c'est fait. On y va. On y va. Je crois que quand il y a des petites ampoules, enfin des petites lumières rouges, ça veut dire qu'on peut parler aux gens. Ouais. Sale intrus. Oh là là. Qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse? Fiché le camp. Il y a quelqu'un derrière moi. Wow. Par contre, attends, je vais changer mon type parce que je fais moins de dégâts. Je fais moins de dégâts. Quand mon arme elle est comme ça. Par contre j'ai une meilleure allonge je crois. En plus je crois que je suis moins rapide. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc toi aussi t'es pas sympa en fait. Sal
un truc. Oh là là. Qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse. Fichez le camp, tout de suite. Bon, d'accord, c'est bon, je vous dérange plus. Non, mais les gens, vraiment, je te jure. Ah, mais... Monsieur, faut pas dormir par terre. Oh, oh putain, il m'a fait peur. Fragment de pierre de sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Fragment de pierre de sang. Inventaire. Carnet, délivre un message ou lisant un marque de chasseur. Intégré dans une arme pour la fortifier. Ok. C'est un truc pour améliorer nos armes apparemment. Waouh! Eh, vous aimez bien venir de nulle part en fait. Alors ce qui est différent, j'ai l'impression que c'est que des potions tu peux en avoir autant que tu veux. Et elles se rechargent pas par contre, c'est pas... voilà, je sais pas si quand je revis, j'ai pas regardé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sont en train... Il y a des gens qui sont en train de me courir dessus. Waouh. Wouh. Mais il y a vraiment du monde, hein. Oh my god. Vous êtes trop nombreux les gars là, c'est abusé. Je sais pas si les potions se rechargent quand on... Quand on renaît. Je vais utiliser un peu le flingue. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Il y a un objet derrière que je peux pas récupérer. Waouh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Quelle est cette fête à laquelle j'ai pas été invité? Ah ouais, d'accord, vous êtes en train de flamber des choses. D'accord, très bien. Ah, je vous ai en fait, limite, le flingue c'est plus pour... Aouh! Pour attirer les gens, j'ai l'impression, je sais pas. Waouh. Ils sont énervés. Hein. Oula, 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 attention. Je sais pas lequel attaquer. Ok, on a quasiment 1000 échos. Je sais pas si c'est bien. Ce qui est sûr, c'est que... Merde. Ah, il y a un chien là-bas, regardez. Waouh, ça c'est lui qui a un flingue. Ah ouais, il a un flingue lui. Ouh, ok, 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 ok. Oula. Ok. En plus, j'ai loupé un objet là. Balles de vif argent. Ok, on récupère pas mal de balles quand même de base. Putain, il y a les poteaux. Ah ouais, mais il y a plein de mecs qui ont des flingues en fait. Et vous êtes nombreux. Ok, ok. Bim, allez, viens là toi. Vous savez la technique, hein. C'est toujours d'attirer les... Les gars là, quand ils sont trop nombreux, bah lui il est malin, lui il veut pas venir les attirer, les isoler. D'accord. Ah, j'ai tenté une attaque lourde, je crois que c'est la première fois. Oula oula. Rosé de nécro-sang. Je crois qu'ils aiment bien le sang dangereux. Oh wow. Ok. Vache, c'est violent. Ouh. Wow, wow. Oh non, je suis mort. Il faut que j'aille récupérer mes échos de sang. Hein. Ouh. Parce que là, sinon ça va pas le faire. Hein. Je sais même pas quoi ça ressemble en plus. Oh. Attends, mais je suis mort là, mais y a pas. Ça veut dire quoi en fait? Est-ce qu'on peut... Est-ce que même on peut les récupérer? Ouh. Est-ce que même on peut récupérer? Ah, lui il a une tête. Il a les yeux bizarres. Ok. Ah, ça y est. Oh, ah, d'accord. En fait, les échos de sang ils sont gardés par les ennemis.
comme dans... Je crois que c'est Lord of the Fallen, c'est comme ça. Ouais, j'ai plus d'endurance là. Ok, ok. Ouais, donc vraiment j'aurais pas pu récupérer tout à l'heure mes échos de sang auprès du gros balèze. Au secours. Il y a beaucoup trop de monde. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça tape plusieurs personnes à la fois cette arme. Et ça, ça fait du bien. Ok, on a récupéré nos échos, les gars. Et ça, c'est cool. J'ai eu peur que, genre, tu sais, dans le jeu, imagine, tu peux pas récupérer une fois que tu meurs, alors tu es mort. Quoi. Ça serait abusé. Par contre, c'est le chien qui m'a vraiment fait mal. Oh, il a cramé. Oh, allez, bien fait. Allez, hop, hop, ça dégage. Voilà. Voilà les gars, c'est bon, j'ai cleané la place, c'est bon. Tout va bien. Oh, oula. Oh, calmez-vous là. Je suis pas prêt pour un ennemi trop gros, hein. Je sais pas ce qui pousse cette porte, mais... Restez derrière s'il vous plaît. Ok, je suis content d'avoir cleané cette place quand même, hein. Ça fait du bien. Attends, j'essaie de bien regarder, parce que là on a été un petit peu vite, hein, forcément. Ce serait bien d'aller prendre un niveau, non je sais pas parce qu'on a toujours pas pris de niveau, on est niveau 0. Fiole de sang. Ah. Oh les cris. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes fous. Tout va bien madame? Eh non. Eh ben oui. Ah d'accord, elle se fout de nous, carrément. Ouais d'accord. Ouais, pas de chance, ça va pas la tête. Waouh. Ok, jolie place. Jolie place. J'entends un gros bruit. Faudrait quelqu'un qui crie fortement. Oh là! Oh, il y a des oiseaux maintenant. Ok, plus que ça. Il y a des oiseaux maintenant. En plus des. Ah, il est pas mort! Ok, on va se soigner. Hein. Waouh, il y a des corbeaux. Eux, ça doit être pas mal par contre. Le pistolet est sur eux là. Et piouf! Ok. On a une diligence ici. Oh là là, non, c'est un peu le... C'est un peu le gros monstre qui nous a frappé tout à l'heure. Ah, c'est lui qui... Qui tapait de... dans la porte. D'accord. Y a pas un... Un petit... Un petit truc pour... un petit feu de camp, là? Non? Vraiment? Non, parce que je pense que je vais crever si, si j'affronte ce gars, là. Ah, d'accord, on est de l'autre côté, bah oui. Rosée de nécrosang. On sait pas c'est quoi la rosée de nécrosang d'ailleurs. Permet d'obtenir des échos du sang. Oh, d'accord, ok. C'est des fragments d'ergot, en gros, voilà. Voilà, toujours des petites références, forcément. Et donc là, on a une porte, mais qui s'ouvre de l'autre côté. Ok, un autre raccourci. Waouh. Putain, mais c'est monstrueux les détails. Hein. Ah, ça y est. Un chien. Oh, les chiens ils font tellement mal en vrai. Oh là là, ils m'ont enlevé la. Oula. Ok, ok, on va se calmer. Hein. Il y a des mecs qui me tirent dessus. Il y a des. Il y a des chiens. Voilà, le chien on va l'attirer là, là. Allez, viens. Viens mon coco. Voilà, parfait. Mon pote il est mort déjà. Est-ce que toi tu veux mourir? Oh. Ouh. Ah, j'ai compris, les chiens faut les esquiver et après tu les frappes. Maintenant on va attaquer les bandits. Waouh. Nickel. Tout va bien. Fiole de sang. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est pas normal ça. Monsieur. Wow. Wouh. Ok, ok.
Oula. Vite, soigne-toi. Ah, c'est lui qui a mon ergot. Ok, c'est lui qui a mon écho du sang, pardon. Wouh. Non, parce que là, j'étais pas prêt. Je me suis dit si c'est le... si c'est le gros balèze qui lâche dans la mouise. Waouh. Ça, c'est nerveux, hein. C'est vraiment nerveux, hein. Ok. Allez, viens là, toi. Oh, mais tire pas dessus. Waouh. Ah, par contre, vous avez vu comment ça m'a envoyé. Ça m'a enlevé la... la moitié de ma vie. Je pense qu'en plus j'aurais pu le tuer, le gros balèze. On va essayer. D'accord. Il est déjà là. Tiens, mange un peu là. En fait, faut qu'il tape là. Allez! Oh non! Il est pas mort! Il est mort, les gars. On a tué notre premier gros ennemi. Je suis content. Waouh. Donc c'était bien le type qui était en bas, rassurez-moi. Ouais, c'était lui. Très bien ça. Parfait. Cocktail Molotov. Torche. Oh, torche. Pas de pitié pour des choses globuleuses. Ok, très bien. Ok, j'ai pensé que je pouvais ouvrir la porte, mais non. Bon, déjà, si le gros balèze, il arrivait pas à l'ouvrir, il y a peu de chance, j'avoue, qu'on y arrive. J'ai toujours pas pris de niveau, ça m'inquiète un peu. Où sont les feux de camp, quoi? Où sont les lampes? Où sont-elles? Waouh. D'accord. Oula. D'accord. Très bien. Ouah, mais c'est quoi ces statues de fou? On dirait des gens pétrifiés presque, tu vois. C'est incroyable. Ils m'ont pas l'air sympas, eux. Ah, je peux repasser là, d'accord. Ok. Oula. J'entends un gros bruit. Ah, d'accord, on est au-dessus. Exploiter les espèces. Arrive. Oh, oh. Qu'est-ce que je fais là? Oh mon dieu. Je suis tombé. Je suis tombé, les gars. Non. C'est pas grave, on y retourne. Donc, nous étions ici avant que je tombe lamentablement. En fait, les messages, c'est presque qui me gênerait presque des fois, tu vois. Je sais pas si je peux les peut-être les activer, je sais pas. Waouh. Oh, mais... il y a des passages cachés, en fait, des fois, derrière le décor. C'est quoi, ce délire? Ah ouais. Ok. Ah, mais ça, j'avais pas réalisé. Waouh, je suis où, là? Descendre à l'échelle. Waouh, d'accord. Attends, et là je peux remonter. Ah ouais, c'est une dinguerie en fait. T'as des endroits vraiment cachés de fou. Oula. Où est-ce que ce qu'on est? Ok. Attends, on va essayer de descendre tranquille sans tomber. Oula. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, il y a une échelle pour remonter. Ouh là là, il m'a vu, je crois. Ah, je crois qu'il m'a vu, hein. Oh, oh là là, mon dieu. Je sais pas où on est, là. Non mais attendez, c'est pas possible. Je peux pas m'aventurer là-dedans si j'ai pas de... Il me faut au moins une lampe, là, pas loin, parce que... C'est quoi cette folie? Je crois que je peux pas remonter. Si, je peux remonter. Si, je peux remonter. Ok. Ah, donc il y avait une échelle, ok, pour descendre. Très bien. Très bien. Attendez, on va... je crois que je suis bloqué, en fait. Ah non. Ça se pète. Ah ouais, c'est difficile à voir, les éléments qui se pètent et ceux qui ne se pètent pas. Bah du coup, peut-être qu'on va aller sur le pont. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un endroit qui va carrément... on va peut-être aller sur le pont. Hein. Bonjour.
Attends, je vais essayer d'en attirer un. Au moins un. Ah d'accord. Je crois que c'est les deux sont... D'accord. Oula, oula. Wouh. Oula, mon dieu. Oula, oula. Il est très résistant. Très, 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 très. Il fait très mal. Il fait très mal. Ok, ok. Il y en a un qui est mort. Wouh. Ok, ok, ça va le faire, ça va le faire. Tout va bien. Ouh, on les a eu les gars, on les a eu. Oh, ça fait du bien ça. Hein. Ah ouais, ils rigolent pas les deux là. C'est des gros gros loups quoi. C'est pas les petits loups que tu trouves, ils sont vraiment balèzes. Oh, il sort d'où lui? Ok. Il y a plein de chemins. Il y a un chemin qui part à droite ici. Je crois qu'après je peux plus remonter. Ah, il y avait un objet. Et il y a un autre chemin ici. Ça va aussi tout droit. Waouh. Oh. Mon dieu, mais c'est un jeu qui fait peur en fait. C'est un jeu d'horreur, c'est ça? Oh purée. Non mais c'est pas possible, on voit rien. On voit rien. Ok. Je me fais agresser, c'est un truc de fou. Ah, y'a quelqu'un qui parle en bas. Je suis désolé pour Attendez, est-ce que je crois que j'ai une torche, un truc comme ça. Parce que là on voit vraiment rien. Une torche, ouais. Ah, je mets une torche dans... Utiliser. Je peux pas utiliser, mais je peux. Je peux. Comment on fait pour la signer en fait? Ah, j'ai un accès rapide. Je vais mettre les cocktails Molotov, les galets aussi. Ok, la torche. Ok, on la met comme ça en fait, la torche. Et donc normalement. Voilà, ok, c'est bon les amis. On voit mieux, c'est bon, tout le monde est content? Oui. Ok. J'avais entendu quelqu'un qui parlait, non? J'ai pas rêvé. Ouvrir la porte. Ça donne où ça? On est où là? Oh! Je crois qu'on est... Oh, on est à côté du... On n'est pas à côté du... Fragment pierre de sang. On n'est pas à côté de la lampe? Ah non, je confonds. Mais tout se ressemble! C'est infernal. Ah, par contre. Oui, raccourci vers la lampe. Allez, let's go. Ça fait plaisir les amis. On va prendre un ou deux niveaux, je pense. Attends, on va enlever ça. Retourner dans le rêve du chasseur. Ok, on va aller prendre des niveaux. On y est. Alors, la question c'est, où est-ce qu'on prend un niveau? C'est ça la vraie question. Donc là, on peut acheter des objets. Ok, donc là on peut acheter des objets. Pierre tombale de Yharnam, centre de Yharnam. Ok. Ah, c'est ouvert. Oh, c'est ouvert. Waouh, c'est quoi ça? Il y a des fioles partout. Stockage? Stocker les objets ou récupérer les objets stockés? What? Ok. Ok. Ah, bonjour monsieur. Mais c'est vous qui m'avez... Non, c'est pas lui qu'on a vu au début dans la cinématique. Non, non, c'est pas lui. Vous devez être le nouveau chasseur. Apparemment, oui. Bienvenue dans le rêve du chasseur. C'est votre demeure. Pour l'instant.
Chasse. Oh, c'est votre maison. Je suis... German. German. Ami okay. de vous autres chasseurs. Votre esprit est sans doute embrumé. Un petit peu, oui. Ne réfléchissez pas trop à tout cela. D'accord. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. Ah bah c'est ce qu'on fait, bah c'est pour votre bien. C'est très bien. Vous okay. savez, c'est ce que font les chasseurs. Vous vous y ferez. Les chasseurs tuent des monstres. Autrefois, cet endroit était un refuge pour les chasseurs. Un atelier leur permettant d'améliorer leurs armes et leur chair avec du sang. Nous n'avons plus autant d'outils, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous trouverez, même la poupée, si tel est votre désir. Ah, la poupée. Ah, il a parlé de la poupée, les gars. Autrefois... Ok. Donc clairement, c'est un endroit où on va pouvoir voilà, améliorer notre personnage. Si tel est votre désir. L'atelier. Fortifier l'arme. Fortifier les armes à l'aide de pierres de sang. Oh. On peut fortifier le coup précis. Utiliser 240 échos du sang et 3 fragments de pierre. Bah let's go hein. Pour l'instant on va... De toute façon on va faire ça hein. Réparer les armes. Ok, il y a des armes qui peuvent se casser en plus. D'accord. Hôtel du souvenir. L'outil de l'atelier requis pour cela n'est pas disponible. D'accord. Pour fuir cet horrible rêve du chasseur et mettre fin à la nuit, anéantissez la source du fléau des monstres. D'accord. Ok. Donc là on a l'atelier. Là on a du stockage. Là on a donc un hôtel du souvenir mais on peut pas y accéder pour l'instant. Et là c'est quoi? Acheter avec de la lucidité. Cette vasque semble liée au cauchemar, mais il n'y a pas de messager. Ok. Et donc la poupée, elle est en bas. Elle est là. Une poupée abandonnée. D'accord. Ça ne me dit pas comment prendre des niveaux. Voilà. Monsieur. C'est bien mignon, mais... Mais où est-ce qu'on prend des niveaux, en fait, là? Parce que j'ai quand même... 3643 échos du sang. Ah, y a un chemin par là. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet écho du sang là? À part le perdre, je vois pas ce qu'on va en faire. Mais c'est un labyrinthe ici. Vous voyez cette ambiance là avec des espèces de troncs d'arbres là. C'est fou. Messager de la souche. Cette chose semble liée au cauchemar, mais il n'y a pas de messager. D'accord. Messager, sang, c'est beaucoup de choses qui reviennent. Cinquième hôtel rituel. Un calice sacré est requis pour accomplir un rite. D'accord. Un calice. Ah, d'accord. Donc il y a des espèces de tombes où tu peux. Quatrième. Ok. Troisième. Second. Premier. Hôtel de fortune. Un calice. Racine de rite court est requis pour accomplir. Ok. Donc il y a des calices aussi. En fait, toutes les tombes, j'avais pas remarqué, mais tu peux les. Tu peux les interagir avec elles. Les gars, je ne trouve pas comment prendre un niveau. Donc je pense que c'est pour l'instant, ce n'est pas possible. On va retourner là où on était et on va poursuivre notre chemin en espérant ne pas perdre tout notre écho. Allez, donc là c'est cool, c'est qu'on a quand même le petit raccourci qui est là maintenant, là ça fait du bien. Oula, j'avais oublié que lui était là. Ok, donc on était sorti juste ici. Attends, je vais changer d'arme, voilà, enfin changer de... je vais mettre ça. Parce qu'en fait, on n'avait pas tout visité dans cette baraque là. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un. Oula, oula, oh il m'attaque. C'est une blague. Je crois que c'était un PNJ. Balle de vif argent, balle de vif argent, ok. Mixture acre à base de sang. Il y a quelqu'un qui parle? Est-ce que c'est les ennemis qui parlent en fait? Quand la chasse a commencé, l'église du remède nous a abandonnés. Ils ont barricadé le grand pont menant au faubourg de la cathédrale et ont brûlé le vieux Nerdman. Ah bravo l'église du remède. Ah, j'entends des gens derrière.
C'est une malédiction, on est tous maudits. C'est incroyable le nombre de trucs que tu peux péter en fait dans l'environnement, c'est fou. Et là aussi on a une porte en fait, ne s'ouvre pas de ce côté, d'accord. Attends, je vais remonter un peu. Tiens, normalement il y a... Allez, c'est bon, vous, je vous vois maintenant. Normalement il y avait même un autre là-bas, mais bon. D'accord, ok, donc attends. Ouh, ça fait beaucoup de chemin. Hein. Waouh. Mais messieurs, mais... Trop chelou. On est tous maudits, c'est une malédiction. On est tous maudits, ok. C'est bon, t'es maudit quoi. Waouh. C'est quoi ça? Bon, d'accord, attendez, attendez. Avant d'aller là, on va se calmer, on va redescendre. On va, vous savez quoi? On va retourner là où il y avait une espèce de tunnel là, chelou. Je voulais pas aller. Waouh. Ok. Ouais, d'accord. Ah mais eux ils sont chauds. Hein. Attendez, eux on va les tracer là parce que. Ouais, d'accord. Wow. Soin. Wouhou. Je me casse. Et ils me suivent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais plus où je suis. Tout va bien. Voilà. Je suis perdu. Oh là là, il y a lui qui est revenu aussi. Non, c'est pas possible. En fait, là. Oh là là, ils sont là eux. Non, non, c'est la merde. C'est vrai, c'est la merde là. Oh! Pourquoi je prends ça moi? Je suis un fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il s'est assis? Il est fou! Au secours! Non, mais c'est abusé là. Aïe aïe aïe, mon dieu, c'était par là. Tout va bien! Putain, prends tes soins. Non, mais attends, mais vous marcelez là. Ça s'appelle du harcèlement, ça, monsieur. Putain, il est là. Oh là, il y a le loup qui est là aussi. Non, soigne-toi. Allez, one, on s'en fout. Bah voilà mon gars, t'as voulu me suivre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, à la base je voulais aller là, je voulais retourner là. J'ai failli faire une dinguerie. Je voulais retourner là en fait. Parce que effectivement on n'avait pas été et je cherchais justement un feu de camp. Bon, on a trouvé un raccourci de feu de camp, donc c'est presque pareil. Et lui, il me fait un peu peur, j'avoue. J'avoue, je suis pas serein avec lui, là. Donc, du coup, lui, il m'a fumé. Et on va pas se laisser faire. Voilà. C'est ça! Donc en fait, on peut pas bloquer dans le jeu. Hein. Vous me direz en commentaire les gars, mais je crois qu'on peut pas bloquer du coup. Fiole de sang. Putain, ils sont nombreux. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il reste lui là. Merde. C'est bien, c'est que tu peux vraiment enchaîner les coups rapidement. Et ça fait vraiment plaisir. Ah, il y a une échelle pour descendre tout en bas. Ok. Waouh, ah ouais. Je viens de voir le fantôme faire ça et du coup je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne idée en fait. Oh purée, il y a des rats en bas là, je sais pas ce que c'est.
Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait de descendre là tout de suite. Peut-être prendre. Ah ouais, y a plein de rats. Hein. Ok. Bon, on va peut-être aller là hein, finalement. Il y a peut-être pas tort le fantôme. On va essayer d'y aller tranquillement. Oh, nécrosant épais, ça doit être un truc qui donne de. Attends, on va essayer de. Oh, ça va, ils sont pas très forts les rats. J'ai vu qu'il y avait un mec là. Bonjour. Wow! Oh, trop bien, tu peux le faire tomber. Je crois qu'il est mort. Rick, il est mort? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cet attirail de fou? Chapeau de chasseur, tenue du chasseur, gants de chasseur, pantalon. Mais c'est incroyable! C'est incroyable ça! Attendez. Oh mon dieu, les stats en plus! Oh! Mais c'est vraiment la tenue genre de Bloodborne quoi en fait! T'es sérieux là? Ah, je pensais qu'on allait l'avoir genre beaucoup plus tard dans l'aventure mais. Oh! Oh les amis! Oh, on est trop classe. Oh, je me sens tellement fort. Oh, regardez. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Le monstre méprisable. Mais rappelez-vous le chasseur. Là, des fois, je comprends rien au message, les gars. Qu'est-ce que vous racontez, en fait? Soyez prudent avec chargé en avant. Donc, faites un pas en avant. Ok. Tu parles quelle langue, en fait? Ah ouais, là, tu peux descendre. Comme ça. Waouh, ah ouais, c'est chaud. Ça paraît chaud, non? On essaye. Allez, on essaye. Ok. Jusque là, tout va bien. Je sais même pas où je vais en plus, sais, je. Je vais dans des endroits, mais de malade, dans les bas-fonds de Yharnam. Ok. Il y a écrit quoi là? Vous êtes au bon endroit. Mais l'endroit pour faire quoi? On pourra remonter là-bas derrière des échelles. Pour info. C'est cool. Ah bon, on va descendre. Ah non, il m'attendait en bas. Il n'était pas mort. Il a pas eu des dégâts de chute, lui. L'escroquerie, là. Fiole de sang. Oula. Oula, oula. Ah mais je suis tombé dans un cimetière, là. Waouh, ok. Oula oula, je pense qu'il faut pas qu'il me chope. Oh, oh là là, mais je le sens pas du tout. Je le sens pas, je le sens pas. Je le sens pas, je le sens pas. Je suis dégoûté parce que je pense que je vais même pas pouvoir récupérer mes... mon écho. Oh là là, en fait je suis mort en route et du coup je crois que j'ai perdu tous mes échos de sang, je suis vraiment dégoûté là. J'en avais combien? Plus de 4000, c'est horrible en fait. Mais quand est-ce qu'on peut prendre un niveau? C'est quoi ce délire? Waouh. Oh là là. Mais eux ils sont 50 000 en plus. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends rien. Je comprends rien, les gars. Je comprends rien, je vous jure. Non, mais c'est quoi tous ces monstres? Il y a trop, il y en a trop là. Je sais pas où je suis en fait. Il y en a trop. Waouh. Attends, on va essayer de. Je vais essayer de trouver mon chemin parce que je suis perdu. Il y a tellement de chemins possibles. Je sais même pas où on est là. En tout cas, l'échelle est immense. Ça, c'est sûr. Super back. Ah, la violence. Savoir de dément. C'est quoi, hein? Savoir de dément. Crâne de dément éclairé donne de la lucidité. Ok. Mais encore. Oh là là.
un gros balèze. Là, il y a de la lumière. Madame ? Misérable étranger, vous essayez de me faire ouvrir cette porte. Oui. Mon Dieu, jusqu'où ira la dépravation ? J'ai un beau chapeau. Misérable. Il ne veut pas ouvrir. C'est mort. Lui, il m'a l'air balèze, lui. Ah non, c'est qu'on a déjà tué. Waouh. Waouh. Allez, un petit coup, il est mort. C'est pas possible. Allez. Ok. Ouh, j'ai eu très très peur. Oui. Fiole de sang. Merci bien. C'est tout ? Non, il a looté autre chose, non ? Ok. Je sais pas, regardez cette porte, c'est bizarre. Eh mais c'est un labyrinthe les gars, je suis perdu dans cette ville là. C'est un truc de fou, je sais pas où je suis. Ah ! C'est un raccourci je crois qu'on a trouvé. Fermé par un mécanisme. Ah oui, ok. On a trouvé un raccourci. Je crois voir à peu près où ça donne. Parler. Changer d'action. Parlez. Je ne connais pas votre voix, mais je connais cette odeur. C'est une petite fille. Oui. Vous pouvez chercher ma maman alors. Papa n'est jamais revenu de la chasse. Elle est partie le chercher, mais elle a disparu aussi. Je suis toute seule. Ah mince. Trouvez la mère. Vraiment ? Bah oui. Merci. Bon quand même. Ma maman porte une broche avec des pierres rouges. Une grosse broche. Très belle. Vous la reconnaîtrez. Oh non, j'allais oublier. Si vous trouvez ma maman, donnez-lui cette boîte à musique. Petite boîte à musique, d'accord. Elle joue une des chansons préférées de papa. Ok. Quand papa nous oublie, on la met en marche pour qu'il se souvienne. Ok. Maman n'aurait jamais dû partir sans lui. D'accord, donc il y aura une dame à... Ma maman fait une grosse broche. Ok, il y aura une dame à trouver qui joue visiblement de la musique. Faudra lui donner la boîte à musique. D'accord, on est arrivé ici. Joli petit raccourci. Hop là. Qui permet aussi du coup cette quête secondaire. Pour l'instant j'ai pas vu sa maman. Enfin on l'a pas croisée hein. Je crois pas. J'ai pas... En plus avec une broche rouge. C'est un peu... Ouais je pense que je m'en serais souvenu quoi. Allez on retourne là. Putain j'aime pas cet endroit les gars là. Oh, les bas-fonds de Yharnam là. C'est horrible. Il y a des espèces de trucs qui sortent du sol là, c'est affreux. Il y en a qui tombent par dessus, enfin c'est le bordel. Ok là on a... Ouais mais quand je vous dis c'est un labyrinthe. On dirait les sous-sols de la capitale de Elden Ring là. C'est le même bazar. Je suis tellement dégoûté pour mes échos de sang. Mais comme je sais pas comment on prend un niveau, c'est horrible quoi, c'est frustrant. Waouh. Et là, il y a des rats. Faut pas être trop gourmand. Voilà, c'est bon. Poignard à lancer. Savoir de dément. Donc ça, c'est le truc qui apporte de la lucidité. En tout cas, on essaie de fouiller, hein. Voilà, on essaie de trouver des trucs. Là, on pouvait remonter. En tout cas, je suis bien content d'avoir trouvé cette petite tenue. Elle est juste sublime. Waouh ! Elle est juste sublime. Il y a un mec qui est en train d'arriver, je crois. Oh, mais la violence ! Les gars, je me fais gifler, mais d'une force, c'est un truc de ouf quand même. Je me fais quand même bien gifler. Hein. Hop là, voilà, ça s'est récupéré. On va aller se faire lui. Et après, on va se faire le cow-boy là.
Voilà. Il ou le cowboy. Wow, ah oui, ils sont plusieurs en fait. Raté. Bam, voilà, ça c'est fait. Wouh. Eh bah dis donc. Ok. Rosé de nécrosant. Ouais non là c'est bon, on est déjà allé. On récupère les petits objets sur les corps. Faut pas que j'oublie ça. Hop là. Voilà ça aussi. C'est vrai qu'il y a un passage là-bas aussi. Putain, il y a tellement d'endroits, les gars, c'est un truc de ouf. Ah! Ouais, j'ai vu un corbeau là, dans le coin. Je me suis dit, oula! Ok, donc ça c'est fait. Ok, donc on est passé par là. Là-bas, il y a d'autres corbeaux. Ah, elle protège un... Ah oui, ça là. Ah non, on n'est pas été par là en fait. Protéger un objet. Jarre d'huile. Ok. C'est si important que ça pour le mettre dans un endroit caché. Jarre d'huile. Non mais t'es sérieux. Urne à lancer sur une cible pour la recouvrir d'huile. D'accord, tu la recouvres d'huile et après tu l'enflammes peut-être, c'est ça? Avec les petites fioles de feu là. Vous savez que je m'en remets pas pour mon écho que j'ai perdu là de plus de 4000 là quand même. Parce que là je vois je suis à 2000 donc je suis en train de calculer dans ma tête combien on aurait eu en tout. Non mais c'est pas possible. En fait ce qui m'étonne c'est qu'on a toujours pas trouvé d'autres lampes. Je me dis soit je les loupe. Oula. Ah en fait c'est les ennemis qui parlent. Waouh. Quel est cet endroit de maudit là? Oh, y a encore des trucs en bas. En fait, cette zone elle est immense. Bonjour. Ok. Vraiment pierre de sang. C'est quoi ça? C'est des manivelles? On peut les. Waouh! C'est quoi ce bruit? Les tourner ou quoi? Je suis en train de regarder dans les recoins parce que tu vois, je sais qu'ils se cachent les ennemis là, ils se planquent. Tiens, lui, il y en a un là-haut. Eux là, faut leur foncer dessus. Tu vois, faut pas les laisser taper là. Eux, faut vraiment les gifler autant que tu peux. Je me disais qu'il y avait un truc ici. Waouh. Ok. Donc là on est à l'étage du dessus. Oh. Il n'y a ici que des pierres de sang. Et là je peux. Il n'y a ici que des pierres de sang. Ça veut dire quoi ça? D'accord. J'ai décroché le cadavre, donc son objet est tombé tout en bas, faudra aller chercher. Rosé de sang. Ah oh, d'accord, ok, effectivement. Le message avait raison. Je me demande s'il y a des trucs cachés derrière les barils justement. Ah c'est incroyable le style rouge là comme ça là. Ok, donc on est là. Il y a autre chose là. Il faut lui tirer dessus. Comment on fait? Parce que si je tape, je suis sûr que je vais. Ah ouais, ça marche. Ça marche aussi. Moi, c'est juste tombé
c'est tombé tout en bas par contre. Hein. Vraiment, voilà, tout en bas. Est-ce que je peux descendre comme ça? Non, je vais me faire trop mal, je pense. Donc je vais... On va repasser par l'escalier. Soignons-nous un petit peu là, parce qu'on n'est pas... Attends, je suis même pas ressorti par le même endroit. Ah, c'est de la folie. Mais... C'est un PNJ? C'est fou ça. Oh. Alors, t'es un chasseur? Et un étranger? T'es dans un sacré bourbier. Il a fallu que ça tombe cette nuit. Tiens, en guise de bienvenue. Marque du chasseur téméraire. Prépare-toi au pire. Ah. Il ne reste aucun humain. Ce sont des monstres avides de chair à présent. Donc elle, c'est une autre chasseuse, je pense. Et regardez sa cape, c'est, si vous avez joué Elden Ring, c'est la cape un petit peu des corbeaux, là. T'es toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Un chasseur qui aurait peur de quelques monstres? C'est rien. La peur, c'est ce qui nous différencie de ces monstres. Et oui, j'ai peur. Secouer la cape. Ok, c'est un geste. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je sais pas. Arrête un peu de trembler dans tes bottes. Un chasseur doit chasser. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ouais, mais tu veux pas venir m'aider? Elle nous a filé un truc qui a l'air important. Marque de chasseur téméraire. Et vous en forme sans perdre vos échos de sang. Oh, c'est stylé ça. Si j'avais eu ça avant, j'aurais peut-être pu l'utiliser. Donc on a rencontré quand même notre premier PNJ chasseur. Donc il y en a d'autres dans ce monde, on n'est pas le seul. Ça me fait penser un petit peu au rôdeur dans Lies of P. Donc attends, par où on est rentré nous en plus? Donc là il y avait une fenêtre, je suis perdu, c'est un truc de ouf. Mais on est bien passé par là quand même, je suis pas fou. Je ne sais pas comment trouver la sortie, donc je vais juste sauter, voilà, bêtement. Ouh ! Oh la vache ! Ouh ! Voilà, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait, fiole de sang. On a des petits objets ici à récupérer. Rosée de nécrosang, ok. Donc faut qu'on descende à récupérer les objets qu'on a fait tomber. Je pense que ce serait pas mal. Ah, silence, c'est une nouvelle arme. Ok. Ça c'est bon. Continue. Comment je vais de l'autre côté maintenant? C'est ça la vraie question. Parce que maintenant que je suis en bas, je peux pas passer de l'autre côté. Il y a pas d'échelle en plus, je crois. Ah ouais. Ah, je suis à cet endroit là, mon dieu. Ok. Je réalise où je suis à peu près. Je réalise où je suis. On était là tout à l'heure. C'est un petit peu embêtant. Du coup, je suis retourné en haut pour pouvoir redescendre du bon côté cette fois. Et choper l'objet qu'on a fait tomber du plafond. Wow ! Fragment de pierre de sang. Ok. Donc dans tous les cas, de toute façon, après, t'es obligé de redescendre dans le tunnel et ressortir. On n'a pas été aussi de ce côté-là, là. C'est là où on s'est fait attaquer par je sais pas combien de monstres en même temps. Non mais eux, vraiment, je crois qu'il faut vraiment même pas se prendre la tête. Limite tu les laisses parce qu'ils sont trop chers en fait. Fragment de pierre de sang. En fait c'est juste t'encercler, ça va être trop horrible.
Wow, c'est quoi ça là-bas là? Oh, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Oh là là. Attends, mais c'est quoi ce facochère là? C'est une blague? Oula! Oula, oula! Attendez, mais c'est une blague le cochon ou c'est quoi le... c'est quoi le principe là? Il... En plus, il est où mon écho? Me dis pas que c'est le cochon qui l'a quoi, parce que le truc est juste énorme. Je vais jamais pouvoir le taper. Putain, on est où là? Putain, mais les gars, je suis pas vieux. C'est quoi ça? Oh! Mais. C'est un ascenseur? L'appareil n'est pas en état de fonctionnement. Comment ça? Attends, on est où là? Je suis perdu, il y a trop d'embranchements. Activez le mécanisme. L'appareil n'est pas en état de fonctionnement. Ok. Ah, c'est peut-être pour l'appeler. Putain, le personnage est classe quand même. Wouah, mais je suis... Ah, mais attends, mais je crois que cet endroit là... C'est pas un endroit qu'on a vu à un moment donné, je suis pas allé. Je crois que si, hein. Oh là là. Mon dieu. Déjà, un, c'est beaucoup, mais alors deux, les gars... C'est quoi le projet là? Oh! Attendez, j'essaie de me repérer. Ah, cette porte me dit quelque chose, oui. Ça y est, je crois qu'on a... Je crois qu'... Aïe, je crois qu'on a... On a trouvé un raccourci qui est pas mal, puisque ça donne accès, si je me trompe pas... Ouais, à la lampe. Les gars, la lampe, elle est juste à côté. Normalement, la lampe, voilà, la lampe est juste au-dessus, ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de raccourcis que de... Enfin, des lampes, de toute façon, il n'y en a qu'une. Mais... Oh là, mais le pire, c'est qu'il faut que je récupère mes... Il faut que je récupère mon écho, en fait, là, auprès du cochon. Ah, ok, ça y est, je commence à capter le... D'accord, là, c'est le pont, les gars, où il y a les deux chiens bien méchants, là, vous savez. D'ailleurs, on n'a pas été au bout du pont, faudrait y aller aussi. Il faut qu'on retourne dans le sous-sol. Oula. Oula. D'accord. Oh purée, j'en étais sûr. Non mais je m'en doute. Mais c'est une blague. Non, mais vas-y, sors de ta cage en fait, parce que là c'est bon, faites semblant. Ah, c'est abusé. Oh là là. Ça c'est fait. Bon, ils veulent pas sortir, tant mieux. On va avancer un petit peu. Là, il y a un PNJ apparemment. Oui. Après, dans ce cas, vous connaissez un endroit sûr. Je sais pas. J'ai entendu dire qu'il y en avait. C'est pas toujours suffisant de s'enfermer. Si vous êtes un chasseur, vous vous bougiez un peu les fesses. On n'en serait pas là. Eh, merci madame, j'arrête pas de crever depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous allez me le dire, oui ou non? Bah... Pour l'instant, je connais pas d'endroit sûr. Donc peut-être si on en trouve un, on pourra lui dire. Ah, je crois qu'on est tout en haut. Pas du tout. J'allais dire, je crois qu'on est tout... Ah si, c'est bon, je capte. On est...
Voilà, ok, j'ai compris. Tout à l'heure, on était venu là, on était descendu. Là, c'est la grande pièce intérieure, là. Ok, donc là, j'ai capté. Donc ça fait un tour comme ça. Putain, mais quelle ville de fou, quand même. Cette ville, elle est dingue. Elle est complètement dingo, la ville. Allez, allez, on va essayer de se les faire là, les deux zigotos. Allez, un de moins. Pas de gourmandise, pas de gourmandise. Et c'est fait les amis, on s'est fait. Fiole de sang, fiole de sang. Putain, on est régalé en fiole de sang. On a donc au maximum c'est 20 fioles de sang sur soi. Et après en fait ce qu'on récupère en plus ça va au stockage. Donc là maintenant on a un ascenseur. Ici on aura ce pont là qu'il faudra traverser, mais j'aimerais bien retourner voir le cochon là parce que j'avais, mais encore une fois mon écho de sang là. On fait comment? On fait comment? C'est pas un d'eux qui l'a récupéré quand même. On fait comment là, monsieur le cochon? Waouh, 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 waouh! Mon dieu, il crie. Je crois qu'il est fâché. Merde, 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 merde. Merde. Oh. Purée, il n'y a pas mon écho de sang. Waouh. Oh là là, non, il est trop fort. Oh mon dieu, badge de chasseur à dentiste. Je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Y'a quoi par là? Il peut pas passer là, il peut pas passer là. Ché, ché pour toi. Ouh. Saloperie, bah. Ah, on lui a mis quand même une petite. Je sais pas, lui lancer un truc là. Oh, empoisonnement lent. Comment ça, empoisonnement lent? Il va mourir, va mourir. Sale cochon là. Il est fou lui. Allez, il est mort. Il est mort. Allez, c'est bon, il est mort. Ah, il est mort. Et moi je suis en train de crever aussi, donc je vais prendre une petite, un petit soin parce que je suis empoisonné. Mais quelle saloperie ce cochon. Attends, je regarde s'il n'y avait pas un truc. Non, c'est bon. Mais il m'a pardonné mon écho de sang. Je suis vraiment dégoûté en fait. Normalement, parce que j'avais plus que 1000, hein. Là je vois il y a écrit 1000 et tout, mais je vais juste aller voir là-bas si c'est pas un des autres ennemis là qui l'aurait récupéré. Des fois c'est comme ça, mais je crois pas, hein. Voir le spectre. Lui aussi il est mort, il est presque mort comme moi. Ouais, non, il y en a aucun qui l'a récupéré là. Je vais faire le tour quand même, mais je suis content d'avoir tué ce vieux cochon là. Dégoûtant. Oh là là, non, j'ai rien les gars, j'ai rien, c'est un truc de ouf. On va retourner. Je suis dégoûté. Non mais combien d'échos de sang j'ai perdu en tout? Sachant que je peux pas prendre de niveau, c'est horrible. C'est quoi ce principe là? A mon avis, il doit y avoir un moment où on peut prendre un niveau, mais tu vois, c'est pas tout de suite quoi, c'est, je sais pas. C'est étonnant, hein. Alors, qu'est-ce qui cachait ce petit cochon là, vilain comme tout? Parce que dis donc, fallait le vouloir pour y aller là. Il a pas kiffé le cocktail Molotov, hein. Franchement ça lui a fait tellement de dégâts, c'était un truc de ouf. Oh,
on est de l'autre côté du pont. Waouh. Oh. Ok, ok, pas de précipitation, pas de précipitation, tout va bien. Ok, ok. Attends, ils ont balancé une... Ils ont balancé une boule sur le pont. C'est un piège. Super. Allez, c'est bon. Ouais, donc c'était un piège en fait. Les gars là qu'on voyait au bout du pont, c'était eux et en fait ils... Il est accroché à mon bras. Et en fait, il nous balance une boule. Les escrocs. Il y a écrit quoi? Ah non, bah il est mort le pauvre. C'est un spectre décédé. Fiole de sang. Fiole de sang, ok. Ok, ok, donc il y a ce pont, je suis en train de me essayer de me remémorer dans ma tête là, tous les endroits où on n'a pas encore été. Et je sais pas s'il en reste, je pense que oui, waouh. Il y a une petite soirée là, grave sympa. Eux ils sont chauds. Je partais vaillant hein, pourtant. Bon, ce qui est cool maintenant, c'est qu'on peut passer du coup par là. Et que le raccourci est plutôt pas mal normalement si on peut prendre l'ascenseur. J'espère, je sais pas. On va essayer. Ouais. On peut prendre l'ascenseur, ok. Donc ça nous ramène directement au pont. Soyez soigneux avec utiliser le terrain. Je comprends rien vos messages les gars, je sais pas de qu'est-ce que vous racontez. A mon avis c'est une mauvaise traduction des messages des gens. Alors on va regarder justement. Voilà, ouais. C'est ça. Non, mais maintenant je le sais. Ah bah non, je le sais. Oula. Oula oula oula. Oula oula oula. Ah ouais, effectivement, effectivement. Violence. Violence. D'accord. Donc c'était ça. D'accord. Non mais j'ai compris. C'est pas gentil ça. Monsieur. Ok. Voilà, ok, allez. On est retourné là, tout va bien. Et les deux petits zigotos là-haut qui m'ont bien fumé, on va leur dire ce qu'on pense de ça. Voilà. Et c'est lui qui a mon écho. J'ai failli mourir, oui. Oui, oui, je sais. Vous l'avez vu, on l'a tous vu. Mais on s'en fout. J'ai récupéré mon écho, c'est le principal. Cours. Je commence à connaître leur pattern à eux aussi là. Ouh mon dieu, qu'est-ce qu'on souffre? Qu'est-ce qu'on souffre? Fiole de sang, ok. Ok. Rappelez-vous l'objet spécial. Donc allez voir l'enfant. Quoi? Comment ça l'objet spécial? C'est quoi la marque de chasseur? Réveillez-vous en forme sans perdre vos échos de sang. C'était ça qu'elle nous avait donné. Voulez-vous vous éveiller? J'en sais rien moi. Réveillez-vous en forme sans perdre vos échos de sang. Ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire que je vais retourner au truc du chasseur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe?
monstres partout autour de moi. Vous serez comme eux, tôt ou tard. Comment ça? Quoi? Le père Gascoigne? Gascoigne? Wow! C'est un chasseur! Oh mon dieu, mais t'es sérieux, c'est le premier boss là? Mais. Eh! Il est sérieux? Oh mon dieu! Wow! Eh! Wow, wow, wow! Là, comme ça, un boss! Sans prendre de niveau. C'est normal en fait. Waouh. Quelle est cette odeur? Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Sans parfumer. Oh, il chante pour moi. Il peut rendre malade un homme. Je crois qu'il s'en fout des cocktails Molotov lui. Aou. Putain, il est chaud. Moi aussi je peux tirer. Waouh. Ah, j'ai plein de balles hein, faut les utiliser hein. Waouh. Waouh waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Ouais, il s'est transformé. Waouh. C'est un loup-garou. Il s'est transformé en loup. Ouais. Oh, soigne-toi. Pas trop de gourmand, pas trop de gourmandise. Mon dieu. Oh la vache. Non, j'allais le tuer. Non, j'allais le first try. Quoi? Tu te fous de moi? La poupée, elle est réveillée. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi que maintenant on va pouvoir prendre un niveau? Tu te fous de moi? Il fallait... Il fallait affronter le premier boss pour pouvoir prendre un niveau? Utilisez votre lucidité et sonnez la cloche d'appel pour demander la coopération d'autres chasseurs d'autres mondes. Les silences mettent un terme à ces formes de coopération. D'accord. Ok. On peut appeler, on peut faire de la coop quoi dans le jeu. La poupée est réveillée les gars. Bonjour brave chasseur. Bonjour. Je suis une poupée. Je suis dans ce rêve pour veiller sur vous. T'aurais pu te réveiller avant quand même. Chasseur, partez en quête des échos du sang. Je les canaliserai pour vous donner plus de force. Vous allez chasser des monstres. Et je serai avec vous pour soutenir votre moral défaillant. Je suis... Ouais, mon moral est totalement défaillant à l'heure actuelle. Parce que vu le nombre d'échos de sang que j'ai perdu, t'aurais pu me le dire avant. Canaliser les échos du sang. Ah, c'est marrant, j'en ai pas. Que les échos vous donnent de la force. On rigole bien, hein. Fermez les yeux. Bah oui, j'en ai pas, donc voilà, il m'en faut 829, j'en avais des milliers les gars, donc j'aurais pu prendre je sais pas combien de niveaux. Non, ça me rend fou, vraiment. Pouvez-vous parler à German? German. C'était un chasseur jadis, mais il se contente aujourd'hui de conseiller ses pairs. Il est obscur et invisible dans le monde chimérique. Pourtant, il reste ici, dans ce rêve, telle est sa mission. Ah, les chétifs. Habitants du rêve, ils trouvent les chasseurs tels que vous. Ah, c'est les chétifs en fait, les espèces de petits fantômes blancs là. Ils ne parlent pas, mais ne sont-ils pas adorables? Non, ils sont horribles. Ah, ils trouvent les chasseurs. Purée les gars, purée, je vous le dis, hein, je vous le dis. Attendez, tant qu'on y est. Coup précis.
Putain, mais j'y crois pas, quoi. Tous ces échos, les gars, perdus. Je m'en remets pas. Bon, on a rien à... De toute façon, on a rien d'autre. Ok, super. C'est super tout ça. On y retourne. En fait, là, j'ai l'impression de vraiment battre des monstres pour une raison, tu vois. Parce que... Oula. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, finalement, notre écho, bah, il est parti en fumée. En fumée, les gars. Là, maintenant, je sais que on peut... On va pouvoir prendre des niveaux, quoi. Et ça, c'est cool. Allez, viens là, toi. Aïe. Voilà. Voili, voilou. Waouh. Ok. Putain, c'est beau, hein. C'est vraiment trop stylé quand même. Voir le spectre. Pourquoi t'es mort là, toi? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Monstre... Quoi? Monstre clérical? Y'a un autre boss? Tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous de ma gueule là. C'est pas possible. Oh là là, mais comment ça? Il y a combien de boss dans le jeu? Tiens, prends ça. Wow. Tiens, mange. Oh! Oh, il y a des finishes aussi comme dans... Je lui envoie des... Putain, je savais même pas qu'on pouvait... C'est quoi là? Wow, wow. Wow, ok. Oula, 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 j'aime pas quand il fait ça. Oh oui, c'est beau ça. Ah oui, c'est beau ça. Oh, on l'a eu. On l'a first try celui-là. Je suis super content. Proie abattue. Badge de chasseur d'épée. Oh mon dieu. Et la lampe, elle est là. Mais non. Mais non. Mais ça, c'est une dinguerie, ça. Mais ça, c'est une dinguerie, les gars. Oh, ça y en a eu 4000. Balles de vif argent. On a eu 4000. En fait, on a plusieurs types de balles. Comment on fait pour changer de type de balles, en fait? On a eu 4000 échos de sang, c'est trop bien. Un badge d'un chasseur de l'atelier. Ça sert à quoi les badges? Badge de chasseur épéiste béni par l'église. Ça sert à quoi les badges en fait? Attends, je cherche les. Tu sais, les balles là. Stats, paramètres. Là on va pouvoir prendre un niveau du coup, là on est d'accord. Là on parle, là on y va. Alors mademoiselle. Eh bien je désire prendre un niveau. C'est la première fois qu'on va le faire. Ça fait 2 heures qu'on joue et... Oh mon dieu. Alors, vitalité. On va prendre en vitalité. Attends, si je regarde, vitalité ça augmente les PV, logique. Endurance, logique. Compétence. Teinte sanglante. Force. Teinte sanglante, ça augmente la défense physique. Ésotérisme, la défense physique aussi.
Et la force, ok. Et compétence, c'est quoi en fait? Ah. En fait, compétence, ça augmente aussi la déf... la... comme la force, mais... mais pas... Là, ça mène à 22. 114 et 22. Et si je mets en compétence, bah, c'est mieux de mettre en force, parce que du coup, là... Bon, je vais mettre un peu en force. Vitalité. Je vais mettre aussi en force, en vitalité. Voilà. Ok, on fait ça. Allez, on monte niveau 14, les amis. Magnifique. Je crois qu'on a des échos aussi de... Brave chasseur, puissiez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé ? Merci. Je crois qu'on a des trucs à utiliser. Voilà. Des trucs comme ça. J'ai plusieurs. Voilà. Ouh, 2450 en plus. On va tout utiliser tant qu'on y est. Nécrosang épais. 1500. Alors faut faire attention à mon avis, parce que il y a peut-être des trucs comme comme dans Lies of P, où faut pas utiliser en fait, des trucs qu'il faut pas utiliser et qui permettent après peut-être d'avoir des armes, des trucs comme ça. Donc ça se trouve le nécrosang épais c'était ça. Donc ça c'est pour attirer les monstres. Petite boîte à musique, ok. Utiliser la cloche pour demander à l'aide, ok. Allez, on va pouvoir reprendre d'autres niveaux. Là on y va là. Ça fait plaisir, je vous jure, c'est un truc de fou. Vitalité. Peut-être endurance. Un petit peu en endurance, peut-être. Allez, un dans chaque. Allez, niveau 17. Ouais. Donc, normalement, le boss, là, on devrait... ça devrait mieux se passer. Même si j'ai failli le first try, le père Gascoigne, là. J'ai failli first try. C'est un truc de fou, quand même. Ah, on reconnaît bien les petites brumes là, des portes des boss maintenant. Allez, traverser le brouillard cauchemardesque, on y retourne. Waouh, ah ouais, direct, le mec il a pas attendu. On devrait lui faire quand même plus de dégâts cette fois. Waouh. Ça, il fait mal hein. En fait, il est chiant à tirer. Waouh. C'est surtout ça. Enfin, il se transforme là. J'ai voulu lui mettre un coup lourd, mais je crois que c'est pas la bonne idée. Waouh. Ah ouais, d'accord. Là, c'est bon, il se transforme en loup. Wouh. Là, c'est vraiment, il est violent de ouf. Ouais. Allez, il est bientôt mort. Détruit tout. Allez, c'est fait. Ah, saloperie, bah. Bah oui, mon frérot. Tu crois quoi? Père Gascoigne, clé de la tombe d'Odon. On peut pas dire qu'il était difficile. Quand même, on vient de Lies of P. On a fumé la marionnette sans nom. Enfin, fumé. Après qu'elle nous ait roulé dessus un nombre incalculable de fois. Donc franchement, Père Gascoigne, c'était pas possible là, ce que tu voulais me faire. Ok, on a récupéré la clé. Et on allume la lampe. Ah, ça fait du bien les amis. Premier boss majeur vaincu. Quel bonheur. En fait, sa deuxième phase, elle était vraiment super violente quoi. D'une violence inouïe.
Et il nous a filé pas mal de... Oh bah oui, écho du sang. Eh bah oui, parce que je... J'avais même oublié de les récupérer. D'habitude, on les récupère en fait à l'entrée. Avant de... C'est ça qui est horrible. C'est qu'en fait, là, dans Bloodborne, du coup, tu récupères ton écho, mais faut battre le boss, sinon... En fait, faut penser à aller le chercher une fois que tu te tapes. Sinon, c'est mort. C'est vilain. Hop là. Broche... Oh ! Les amis, on a la broche rouge. Vous savez, la petite fille, elle était là. Oh la pauvre, sa mère, elle est morte. Oh ! Mince. Ah, c'est triste, ça. Ça, c'est triste. On va aller lui donner, du coup. Prenons quelques niveaux, du coup. On va en profiter. Très bien, laissez-moi approcher. Fermez les yeux. Combien je peux en prendre, alors ? Vitalité, endurance... Ah, d'accord, je peux prendre deux niveaux. Ok. Allez, on se met comme ça. Je pense que le trio gagnant, on va partir sur vitalité, endurance, force. Compétence, du coup, je comprends pas encore trop le... Peut-être c'est lié à l'arme aussi. Je sais pas. Attends, on va aller voir ici. Ah bah il est plus là, le monsieur qui était en chaise roulante. Guéran, je crois, c'est ça. Le stockage. Attends, stockage, on a quoi? Balle spéciale. Mixture. La broche, évidemment. Ah, je crois que je peux améliorer mon arme aussi. Yes. Pour l'instant, voilà, elle est en plus 2 du coup. Je crois que j'ai toujours pas de... Acheter avec de la lucidité, faites les échanges avec les messages contre la lucidité. Obtenir des objets. Ah, c'est ça la lucidité. Sonner la cloche pour aider d'autres chasseurs. Mixture de sang vieille à lancer pour attirer les monstres. Oh, couvre-chef. Oh, de Gascogne, des barres. Tu peux avoir la tenue de Gascogne. C'est trop marrant, ça. Mais je crois que c'est moins bien que ce qu'on a. Donc, en fait, tu peux avoir la tenue de certains boss. Ça, c'est excellent. Ok. Trop bien. Ici. Obtenir des objets. Donc, tu peux acheter des potions. Contre de l'écho du sang, ça c'est pas mal aussi de pouvoir acheter des potions. Des balles, antidote. Antidote c'est cool aussi. Cocktail Molotov. Ah, tu peux acheter des armes aussi. Coup précis, silence, hache, épée, marteau. Pistolet de chasseur, tromblon. Oh, couvre-chef de chasseur de Yarnman. Tenue de chasseur. Mais ça c'est ce que j'ai, non ? Normalement. Chapeau de chasseur. Ah, pas de Yarnman forcément. Ok. Je sais pas ce qui est le mieux. Je crois que c'est les mêmes stats à peu près. Allez, on va aller trouver la petite fille. On va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ah, c'est plus la même histoire là. Hein. Vraiment là. Hein. Vous avez vu maintenant avec des niveaux en plus. C'est pas la même histoire, quand même. Je crois que la petite fille était là-haut. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver le chemin. Désolé ma pauvre. Bonjour monsieur le chasseur, vous n'avez toujours pas trouvé ma maman. Donnez la broche rouge. Monsieur le chasseur, c'était vraiment elle. C'est horrible. Fait que pleurer. C'est horrible. Voilà, super. Bon bah voilà. J'aurais pu la laisser dans l'espoir et maintenant j'ai fait pleurer une petite fille. La petite femme triste et craignait votre aveuglement. Waouh. Est-ce que je pourrais faire peut-être un jet, un truc comme ça? Je sais pas ce qui est possible de faire en fait. C'est ça le pire. Bah voilà, on a donné la broche. Il reste la femme, vous savez, qui
qui cherche un abri, qui était pas très sympa avec nous d'ailleurs, mais bon. Elle, je suis pas sûr d'avoir trouvé un abri pour elle, donc pour l'instant elle va se démerder comme on dit. Et nous on va retourner là où on a battu le boss. J'en profite pour passer niveau 20. Voilà. Et on est de retour, là on a vaincu le père, le padre. J'imagine qu'on peut ouvrir cette grille maintenant. Porte ouverte avec la clé de la tombe d'Odon. Ou d'Odon. Il y a un problème de fuite dans cet endroit, je crois. Hein. Une belle inondation. Ok, on est arrivé dans l'espèce de labo ou je sais pas quoi. Oh, un coffre! Je savais même pas qu'il y avait des coffres dans le jeu. Incroyable! Outil de l'atelier de gemmes sanglantes. C'est quoi? Permet de fortifier les armes grâce aux gemmes sanglantes. D'accord. Pourquoi les portes sont si lourdes dans les Souls? On est arrivé au faubourg de la cathédrale. Et j'ai l'impression du coup qu'on est arrivé dans une nouvelle zone. On va donc s'arrêter ici les amis pour ce premier épisode de Bloodborne. J'en reviens pas qu'on vient de finir notre premier épisode sur ce jeu. C'était fou, hein. C'était incroyable. Waouh, quelle ambiance en fait, quelle ambiance. J'ai souffert. Oh ah, j'ai souffert, hein, je vous le dis. Et surtout le fait de pas savoir pourquoi je pouvais pas monter de niveau, c'était horrible en fait. Là maintenant je me sens mieux. Je me sens revigoré comme on dit. Une ambiance de fou, les boss ont l'air bien stylés, ça a l'air bien sombre, c'est très mystérieux, voilà, comme tous les Souls, l'histoire, tu comprends pas trop qui t'es, ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et peu à peu, plus t'avances, plus tu apprends des choses, tu commences à comprendre l'histoire et tout ça, et c'est ça qui est intéressant, et ouais, c'est un vrai délire un peu gothique, chelou, avec le sang au milieu de tout ça, tu sais pas trop ce qui s'est passé dans la ville, il y a une genre de... Voilà, il y a eu des monstres qui sont arrivés, donc il y a des chasseurs. Et on est un chasseur, et justement, nous, on a fait un pacte aussi, on a fait un contrat avec ce gars-là, et on recherche le pâle sang, il me semble, donc ça doit être peut-être pour purifier tous ces monstres. J'ai hâte d'en savoir plus, du coup, sur l'histoire. Vous savez que moi, j'adore tout ce qui est histoire, du coup. Et c'est très cool. Le jeu est pas facile, hein. Le jeu est pas simple, et c'était que le premier épisode. Les boss ça a été, mais les zones elles sont dures parfois, vraiment les zones sont dures, il y a vraiment beaucoup d'ennemis et c'est vrai que ça m'a, waouh, ça m'a surpris, ouais. Mais quelle classe, regardez ce personnage, il est incroyable. Oh, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire vos conseils, vos astuces en commentaire, sans spoiler bien sûr, mais ouais, n'hésitez pas à m'aiguiller à des endroits que j'ai pu louper qui sont importants. Par exemple, des objets que j'aurais pu rater, etc. Si vous en souvenez, n'hésitez pas à me dire. Tiens, par là, il y avait quelque chose. Va voir. Parce que c'est un labyrinthe. Hein. Putain, c'est un truc de ouf. Yharnam, là, c'est un labyrinthe. Mais j'ai kiffé. Voilà, j'ai souffert, mais j'ai kiffé. C'était très cool. On se retrouve du coup bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, vous aurez d'autres épisodes sur d'autres jeux. Vous inquiétez pas. Et on se revoit très prochainement. Demain, 18h, de toute façon, pour quelque chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain.